Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en fin de vidéo sur Fortnite. Alors, c'est un petit tuto, comment ne plus bugger sur Fortnite. Alors, vous allez dans les paramètres. Enfin, moi j'ai pas encore fait. Vous allez dans plein écran. Après, pour ceux qui ont 1600 par 900, c'est pas 9. Enfin, après, voilà, vous réglez comme vous voulez. Après, voilà, je vous conseille 30 FPS, comme ça, ça bug vraiment. La qualité, je la conseille moyennement. Comme ça, ça. Enfin. Ce serait mieux pour vous. Après. Pour la distance d'affichage, moi je vais le mettre non. Les ombres, il n'a pas besoin, donc je vais les mettre 100. Anti-aliasing, je vais mettre 100. La texture, je vais le mettre élevé comme il en a besoin. Les effets, il n'y en a pas vraiment besoin. La pose de traitement, je vais mettre 100. La synchronisation verticale, c'est comme vous voulez. Le flou de mouvement, c'est comme vous voulez. L'affichage des effets, c'est comme vous voulez. Donc. Après. La qualité, je vais mettre. Il y a quand même. Mais ça a pas complètement vraiment, enfin, ne plus arrêter de bugger, mais genre ça va enfin ça va arrêter un peu de bugger quoi. Et si ça marche pas, je vous conseille une 3 ordi quoi. Après les jeux c'est comme vous voulez, l'activité c'est comme vous voulez. Et donc pour ceux que je crois que c'est la construction rapide et la Xbox One, en fait ça a rien à voir en fait. Je crois que c'est pour parler. Je suis plus sûr. Oui, voilà, appuyez pour savoir, c'est couvrir. Appuyez pour parler, pardon. C'est A, donc voilà. Enfin, après, vous pouvez régler comme vous voulez, comme. Ma prendre un film. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.